dans leur Hurricane et Spitfire sont ceux qui nous ont probablement préservé une forme de liberté. Par la suite, d'autres aviateurs, des Russes, des Américains, des Anglais, des Français bien sûr, parce qu'il y avait plein de Français qui étaient devenus pilotes dans les forces américaines, dans les forces britanniques. Tous ces gens-là ont bataillé et souvent ont laissé des plumes, mais parfois beaucoup plus que ça.